pas de fracture au rayon X. Patient reparti en bonne santé. Rendez-vous de contrôle dans 3 semaines. Bon, qu'est-ce que ça nous dit le laboratoire? Un instant, s'il te plaît. Ça va encore? La journée n'a pas été trop longue pour toi? Non, je suis habituée à de longues journées à l'UNI. Et sinon, tu vas bien? Juste un peu de désaccord avec Samuel. Ah bon? On aurait pu penser qu'il serait un vrai colocataire de Ray. Votre dispute n'a pas concerné seulement la vaisselle, n'est-ce pas? Il s'est juste un peu mal comporté. De quelle façon? On n'est pas censé de se concentrer à ce dossier médical. Oui, bien sûr. Excusez-moi de t'avoir interrogé. Non, c'est pas grave. Je veux juste pas t'épuiser avec le truc personnel. Ah mais, tu m'épuises pas. Si tu veux, tu peux toujours m'en parler. Ah, merci. Mais c'est mieux que je règle tout ça avec juste lui. Tu sais, aujourd'hui, tu t'es bien débrouillé avec notre patient déliré. Ah, merci. Les bourrées ont toujours été près de mon cœur. Pardon. C'était pas une remarque très professionnelle. Non. Dans notre hôpital, c'est permis de faire des blagues assez dures, mais juste faire attention qui est autour. Merci du conseil. Et sinon, je m'en suis bien débrouillé. On vous dit que on rencontre pas souvent des stagiaires comme toi. Soit j'étais horrible, ou sinon j'étais merveilleuse. T'inquiète pas. Moi, je suis ravi que Samuel t'a recommandé. Il est tellement chou. Oui, il est. Ce que je voulais dire est que tels amis, on ne rencontre pas souvent. Ah. Voilà le mauvais dont on a mentionné. Ou dans ce cas, le bien. Allô? Ça va, Chou? On a juste parlé de toi. Oui, on s'y voit. À toutes. Samuel m'a demandé d'aller avec lui au bar, Serre. Ça te va si je m'en vais déjà maintenant? Oui, bien sûr. Amusez-vous. Merci, au revoir. Au revoir. Passe-lui. Mais salut.